Bonjour à tous. Alors la vidéo là que vous allez voir, c'est une vidéo un peu hors série, on va dire une vidéo pas comme d'habitude. Alors en fait, il y avait l'anniversaire de Anto, donc de la chaîne Tony Nomad Life, et on était avec Eric. Donc si vous voulez le voir sur YouTube, c'est Labaraco Vidéo qui a eu l'idée d'organiser une chasse au trésor, comme Anto adore tout ce qui est pirate, etc. Donc il lui a fabriqué un beau coffre, enfin voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, eh bien, je vous laisse avec la vidéo. Alors, je tiens à m'excuser, bon, déjà là pour la voix que j'ai actuellement, parce que je suis malade, et aussi parce que le jour où on a fait la chasse, il y avait beaucoup, beaucoup de vent. Donc, malheureusement, au niveau du son, eh bien, vous allez pas mal entendre le vent. Voilà, donc je m'excuse pour ça. Alors là, je vais avec Monsieur Patatoun parce qu'hier il a commencé à creuser un trou de là où on voudrait en fait cacher le trésor. La patate. Eric, lui, aujourd'hui, il est en train de s'occuper de fabriquer le coffre. Il a eu une super idée de vouloir fabriquer un coffre pour mettre les cadeaux qu'il a achetés. Donc, bon, pardon, je vous fais une patate en train de faire pipi. Et du coup, je vais ramener patate là. Attendez, désolé, je fais un petit tour pour me démêler. Je vais ramener patate au trou pour qu'il creuse un peu plus. Parce que j'ai vu la taille du coffre qu'il a fait. Et ça ne rentrera pas dans le trou actuel. Voilà, patate a retrouvé les lieux du crime. Donc ça, c'est le trou qu'il m'a creusé hier. Tu cherches Patatoun? Tu cherches le trésor? Bon, après, si Patatoun n'y veut pas, c'est pas grave, hein, j'irai chercher la pelle. Et puis on fera un bébé. Comme ça, Patate, il aura participé aussi. Voilà. Bon, alors là, je vous montre un petit peu l'avancée du coup de la carte au trésor. Voilà. Bon, alors là, j'ai rajouté du café, donc c'est pas sec. Pour faire l'effet un peu vieilli, j'avais voulu mettre du café. Alors ça a pas fait aussi foncé que ce que j'aurais aimé. C'est pas grave, l'appareil dans le chemin, ça sèche. Le problème, c'est que... Patate! Là où c'est noir, ça a bavé en fait, donc j'ai évité de mettre là où j'avais fait les tracés. On voit ce que ça donne pour la carte. Et ici, ce sera les petites feuilles d'indice. Donc, pareil, regardez, fait avec le café. Et du coup, l'idée avec Eric, en fait, ce serait de mettre les petits, chaque indice sur une feuille et chaque feuille dans une canette de bière vide, enfin une canette en verre. Et après, il faudra aller les disposer. Bonsoir, bonsoir. Bon, alors je vous montre un petit peu l'avancée du coup. Il y a Eric qui est passé là tout à l'heure pour commencer le flambage de la carte. Il a commencé voilà à faire un petit peu le tour. Et du coup, moi là, avant d'aller me coucher, je vais en profiter de faire le reste. Et il y a encore toutes les petites feuilles d'indice. Regardez, il en a déjà fait une. Il fait les petites roues tout à l'heure pour qu'il puisse cramer. Ça rend plutôt bien, je trouve. Donc ça sera pour les indices. Et ensuite la carte. Donc moi, je vais finir de cramer là le tour ce soir. Et comme ça, demain, eh ben, on n'aura plus qu'à mettre les indices en bouteille, les cacher, et puis ben, faire le petit tracé, les pointillés, tout ça sur la carte. Voilà, donc ça vient bon, ça vient bon. Et ben voici le rendu de la carte. Avec tout le tour, plus encore des petits trous. Bon, celui-là ne devait pas être aussi gros à la base, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, par contre, maintenant, donc il y a une feuille d'indice de fait, et il m'en reste 5 à faire, donc je vais m'amuser. Voilà, mais que comme ça on puisse être bien efficace demain pour faire le reste. Je m'excuse pour ma voix. On est un peu tous malades là, donc débouchez. Bonsoir à tous. Alors ça y est, regardez. La petite carte est finie. Bon, à moins qu'il y ait encore des petites retouches à faire, mais globalement elle est finie. J'ai écrit tous les petits indices. Alors demain, si je peux, l'idéal serait de les mettre donc dans des bouteilles en verre. Mais c'est demain l'anniversaire, donc je vais voir si j'ai moyen de les mettre dans des bouteilles. Sinon, eh ben, j'irai directement les cacher, mais ce serait quand même cool dans les bouteilles. Donc voilà. Ensuite, il reste le coffre à mettre là où patate à creuser. Et puis ensuite, eh ben, ce sera parti pour la chasse. Et ben finalement, voilà ce que ça donne quand c'est repassé en noir. Je m'excuse vraiment pour ma voix. Je suis vraiment désolée. Mais là, je peux pas faire mieux. Voilà le petit aperçu de la carte. Hop là. Et donc, voilà ce que ça donne, du coup, avec la petite ficelle.
Donc ça, c'est ce qu'il aura demain. Du coup, ce que je vais lui donner. En fait, je vais lui donner ça comme ça. Et donc, bon, les indices, je vous ai déjà expliqué comment ce sera. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'il aura la carte. Donc, il regardera les petits pas sur la carte pour aller au premier endroit. Et puis ensuite, il fera avec la carte plus les petits indices. Allez, pour moi, c'est parti pour cacher les petits indices. Je les ai mis dans les canettes. Roulés. Bon, je suis désolée, ça fait pas la netteté. Attendez, voilà. Puis maintenant, il faut aller les planquer. Un deuxième indice ici. Regardez comme ça le fait pour la chasse au trésor. Trop top. Alors, la dernière, dans la petite caravane, il va s'amuser. Parce que je l'ai mise là. Vous la verrez pas. Mais elle est là derrière. Attends, bon, de la soif. La fosse du diable. Ça, je suis direct. Ça, je vois où c'est. Là, il y a une croix là. Ah, mais tu suis l'ordre, s'il te plaît. Je dois suivre. Là, on est où là? Mais là, on est là à Costa. Voilà. Ben, suis les pas maintenant. Ben, d'habitude, on va déjà à la taverne. Non, tu suis les pas. Là, il faut que tout là. Tu suis les pas, oui. Ils vont jusqu'où là? Le bac. Le bac Tony, c'est quoi ça le bac Tony? Le black, j'ai oublié le L. Ah ouais. C'est dans le terrain, il est dans l'autre sens. Non. Ah non, c'est mon camion ça. Bah, Tony, c'est qui? Donc tu dois aller où en premier? Le combi hanté. Voilà. Allez, go. Même pour que la vie. Non. Attention au petit chien. Mais on pouvait le faire en BM, non? T'as cru que t'allais le trouver dès le début? C'est pas pour ça que t'es venu! Bah! Ah, il est là. Ah! La prochaine fois, mettez une bouteille pleine. Rendez-vous là où les navires chavirent. Tu vois? Là où les navires chavirent. Allez, allons. Allez au bateau qui chavire. Non, là où les navires chavirent. C'est pas là-bas les navires qui chavirent? Non. Bah moi aussi, c'est là-bas. C'est où qu'il y a les navires? Mais il a les pas qui le guide sur la carte. Ah, il a pris les pas. Ah oui, les navires chavirent, bah oui. Ah, recherche dans la fosse peut-être. Ah, c'était l'entrée de la fosse en fait. Ah, il y a la petite croix. Ouais. J'aurais pu toutes les boire, c'est bien. Mais vous les avez bu? Je n'ai pas participé à les boire de base. Hein. Tiens. Merci. Lorsque le pirate se déshydrate, il va à la taverne. Voilà, il y a une croix, là, il y a un trésor là au milieu. On est trop. Papa, je peux t'aider à tenir. Donne les indices aux enfants. La taverne. Bon, je vous aurais bien proposé à boire, mais on me donne que des canettes vides. Voilà, normal. Voilà où le vieux sage se cache. Caverne de l'ermite.
C'est la caravane, ça. T'étais obligé de pas faire tout le tour du champ dans tous les sens. Oui. Oui, c'est ça. Va dans la maison de l'ermite. Caverne. Ah, mais par la fenêtre. Conseil, passe par la porte. Grave. On aurait pu. Bon, ben, c'était gentil, bout de pas. Au revoir. Non, c'est pas là. Il l'a pas. Pardon. Tu regardes pas très bien partout. Ça veut dire que t'es passé devant, tu l'as pas c'est vu. C'est ça. Moi, je vois pas parce que j'ai pas mis les lunettes. Non, normalement, il est par là. Alors. Cherche une bouteille de nouveau. Bah oui. T'as regardé deux fois au bon endroit. C'est là-dedans, une bouteille ? Eh ouais, peut-être. Bon, ça sent ou quoi ? Attention, il y a. Ça se passe comment ? Putain. Heureusement qu'on est là pour l'aider. Il n'a pas trouvé encore. Si, ça y est. Ah, quand même. On a pas... Petit nouvel indice. Dans le navire, tu y trouveras le prochain indice. Toujours surveiller les fonds de cale. Lady. T'as pas été planqué, je sais pas où. J'ai mis un endroit qui est atteignable. Enfin, les pirates. On met un endroit atteignable. J'ai rien d'escaladé. Mais tout c'est horrible. Il est passé devant. Encore une fois. Ah, il l'a trouvé. Oui, mais on va pas vers le bout. Avec le pain de chien. Non, je veux pas dire, mais. Ah, mais y'en a qui boivent pas des bons trucs alors. Alors, par là où les œufs sont cachés. Et attention, si tu pourras y croiser le chemin. Papa, oh. Alors, où la carte nous emmène. Il est où, monsieur Coq? J'aurais aimé, mais. Désormais. Qu'est-ce que ça dit? Munis-toi d'une pelle. Marche, cherche et creuse. Munis-toi d'une pelle. Marche, cherche et creuse. Ouais, grave. Et quoi? Et trouve. Oui. Avant que le désert n'ait raison de toi. Putain, ouais, je suis déjà à moitié sec. Papa, j'ai trouvé mon vélo. C'est vrai, c'est vrai. Non, pas de trac de pelle. Ouais. Alors, regarde la croix. Pirate. Et où a-t-elle été retournée? Vas-y avec les mains après. Ouais, Anto, vas-y avec les mains. Oh,
Du chocolat. Touche pas les biens d'or. Il n'arrive pas à les sortir. C'est mon chéri, ils sont mon chéri. C'est ça. Papa, si tu veux, les bonbons, ils sont là pour les manger. Et voilà, vous avez vu le beau trésor. Ah. Les poignées. Et je cours. Attrapez-le. Il y a la boîte du coffre, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Alors là, j'en ai un paquet. Il empêche de sortir. Ça, c'est pour un petit rhum ambré. Boisson du pirate. Ah, ça, ça va bien réchauffer. Un petit martini. Bien, bien. Je vais y aller par le rhum là. Un rhum quoi celui-là? Un petit orangé parfum banane. C'est Dominique. Comme mon père. C'est autre chose. Mon père s'appelle Dominique. D'accord. Toujours des pièces. Ah, c'est des ça, billets. Dans un trésor. Il y a des pièces. Des lingots, des pièces. Allez, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chocolat. Il y a beaucoup de chocolat. Bah, la quoi, ça fait une carte. What's up? C'est bon. Moi, c'est plus ce vrai. Ah, là, ah oui. C'est quoi? C'est de l'or. C'est de l'or. Il y a vraiment de l'or, quoi. Oh, salut. Non, mais... non, mais... Non, mais... De vrai, de vrai. Bah, de vrai, de vrai, c'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Oro... Attends, le petit livret, avec. Ah ouais. Petit livret, peine de terre. Ça fait plus droit que le petit comme des patates. Ouais, grave. Ah bah là, oui, avec la terre dedans. Ah, mais on est malade sur les pièces, les gars.